Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, membres d'Adept, bonjour. C'est Alexis, votre vice-président, qui vous salue et en même temps euh, candidat à la présidence d'Adept euh, le 23 de ce mois. J'ai décidé cette euh, façon de vous joindre parce que nous n'aurons pas la chance de nous voir face à face le 23. Et c'est pour cela que je dois venir chez vous, chez vous dans vos chambres. Je vous dans votre ordinateur, et c'est même l'orientation de ma politique pour notre adepte, adepte qui doit aller vers les membres. Je vous dis bonjour, et puis euh, je vous dis aussi bonne année, parce que l'année que nous commençons ne sera pas facile à cause des euh, impératifs de Covid, mais Dieu aidant, nous allons uh, survivre, mais en même temps aussi réaliser nos activités. Mesdames, et Messieurs, euh, je vous salue encore une fois ici dans les maisons de Radio Africa International. Nous avons une radio que vous voyez ici dans les studios, nous avons une télévision, nous avons des journaux, etc. Mais Radio Africa vous demande sa confiance, comme vous me l'avez eh, témoigné en me votant comme vice-président dans le mandat actuel. Nous voulons maintenant être à la tête d'adeptes. Euh, j'ai vu, j'ai vu et j'ai vécu. Et maintenant, je pense que il est temps de changer des choses pour que notre adepte qui a démarré décolle encore à une vitesse que nous souhaitons. Je vous dis encore euh, une fois, je pense que euh, nous avons la possibilité d'y arriver avec un principe. Le principe, c'est l'inclusion. Une adepte qui est orientée vers ses membres. Les membres de qualité et les membres rayonnants. Cela veut dire que si c'est ainsi, nous créons ensemble une adepte aussi rayonnante. Une adepte rayonnante aussi orientée sur mes trois principes. Facilité. L adepte ne doit pas faire des choses, il doit aider aux membres de faire des choses. Servir. Adeb doit servir aux membres. Il doit y avoir des services qui servent. Et puis plaidoyer. Là, c'est rien à faire. Nous devons aller loin, discuter, défendre et, et publier. Pourquoi me renouveler la confiance D'abord un, hein, moi je suis un homme de parole et de fait. Ce que je dis, c'est ce que je fais. Vous me connaissez déjà. Non seulement je suis un homme de parole. Non seulement vous savez ce que je, je dont je suis capable, tu euh, peux vous donner quelques exemples parce qu'on ne peut pas, pas dire de tout ce dont on est capable. Mais euh, pendant l'année 2019, euh, euh, le Bayol de fonds nous ont suspendu les financements au mois de septembre. C'est moi que euh, le conseil administratif actuel a chargé de ramener ces fonds. Et de ramener la confiance de ces bailleurs d'enfants. Dans trois mois, depuis octobre jusqu'à décembre 2019, ce qui a été fait. Mais aussi un nombre d'exemples, parce qu'effectivement, la synergie dont nous espérons et dont nous produisons, nous devons la voir pratiquée. Radio Africa s'est distinguée par le soutien des collègues. Nous avons soutenu notre collègue, nos partenaires, notre ami, une organisation, un collègue à Tiala, aussi bien ici en Autriche mais aussi au Cameroun. Nous avons soutenu dans la campagne avec toutes nos forces et toute notre énergie. Mais aussi, il y a d'autres atouts. Votre candidat à la présence, que je suis, je viendrai vers vous. Je suis capable de communiquer avec vous en français, en anglais, et même en langue africaine. Comme ça, je n'ai pas besoin d'interprète. Je suis prêt à vous écouter directement, sans sans interprétation. Ça, c'est très important dans le concert actuel dont nous sommes. Mais aussi de pouvoir discuter avec tous les autres interlocuteurs, hein, sans, sans devoir recourir aux interprétations. Ça, c'est très important. Mais aussi, je suis convaincu que ma vision de placer les ados au centre de la vie d'adepte, comme moteur de développement d'adepte, comme moteur de développement des membres d'adepte, comme moteur de développement, du développement, même de l'Afrique, Ce principe est le vôtre. Puis, moi, je suis soucieux et je milite pour les financements, pour les financements des ados. Nous avons besoin, aujourd'hui, nos, nos organisations membres, parce que je représente aussi mon organisation, les organisations membres d'Adept ont besoin non seulement de plaidoyer, mais aussi des financements pour être capables de remplir fidèlement et loyalement leur objectif de développement sur le terrain. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mon objectif à la candidature d'Adept est justement fondé non seulement sur ces trois orientations, faciliter, servir les plaidoyers, mais aussi sur cinq piliers. C'est une maison Adepte avec le contenu cinq piliers, cinq piliers dont la bonne gouvernance nous devons être très performants. Je ne dis pas que maintenant nous ne sommes pas performants, mais nous devons être plus performants. Et là, une performance amène la qualité. Alors deuxième point, c'est reconquérir la légitimation en tant qu'adepte seul interlocuteur dans les scènes internationales en ce qui concerne en matière de diaspora et de l'engagement de la diaspora. Cela est normal. Une grande organisation comme la nôtre, qui a des membres de qualité dans beaucoup de pays, même en Afrique, devrait être reconnaissante partout là où nous passons. Nous sommes heureux justement que même nous sommes soutenus par l'Union européenne à travers l'ASMPD, la, la coopération suisse de développement, le GIZ de l'Allemagne et d'autres encore. Mais il nous faut aller plus loin, plus loin. Parce que dans notre situation actuelle, il faut que dans vos pays, on vous reconnaisse comme les acteurs de la vie. En fait, le troisième point qui est pour moi le plus important, c'est mettre les ados au centre de toute réaction, de toute action, de toute philosophie de l'adepte. Le bien-être des ados, c'est ça le bien-être de l'adepte. Donc cela, je veux dire que euh, il faut que, dans le mandat qui vient, les ados que nous sommes, parce que mon organisation aussi est un ados, soient les premiers experts d'adeptes, les premiers partenaires d'adeptes. Nous devons travailler pour renforcer les capacités des ados. Nous devons les reconnaître, en fait, de reconnaître euh, ce que vous faisiez au niveau de la direction euh, du conseil d'administration. Reconnaître vos activités pour les valoriser. C'est ça, la mission, ma mission. Cette mission est aussi accompagnée par les possibilités que les organisations euh, membres de doivent avoir, et je dis les possibilités de tout bord, hein, pour être efficaces sur le terrain. On doit les recenser, les reconnaître, et puis les soutenir. On va les soutenir comment D'abord, hein, je dis, en, les, en, leur, en leur reconnaissant, mais maintenant, en leur donnant de l'argent. Les organisations membres d'ADOS, même les autres activités de, de, de la diaspora ont besoin de l'argent. On ne doit pas passer à gauche à droite. Les ADOS savent quoi en faire. Et c'est pour cela que le motto et le principe fondamental de notre mandat euh, de trois ans qui vient doivent être fondés sur le, final, le soutien financier des membres d'ADOS. Et comme ça, ils peuvent aussi ra rayonner avec les autres organisations et les autres initiatives. C'est possible que chaque organisation soit soutenue financièrement. C'est pour cela qu'il faut créer des fonds. Un fonds un fond de soutien pour les diasporas, un fonds d'intervention quand il y a des catastrophes, des fonds supplémentaires à côté de ce que nous, de ce que nous disposons déjà, euh, euh, dont nous, nous nous félicitons, du côté justement de nos bailleurs qui existent, à côté des CDS et de TDS. On doit parvenir à aider aux, aux membres de financer leurs activités sur le terrain. Je dis financièrement. Je dis financièrement. Au moins 15 000 par organisation. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, euh, l'organisation, le financement, une fois financé, les activités existent, mais si ces activités ne sont pas visibles, ne sont pas connues, ils ne seront pas reconnus. C'est pour cela que la légitimité passe aussi par la visibilité. Les activités que les ados font, faisons aussi dans des différentes initiatives, les actions d'adoptes doivent ne pas se limiter dans les réseaux sociaux. Nous devons conquérir les grands médias internationaux. C'est pour cela qu'il faut mettre en place des différentes agences dans vos pays. Donc nous avons un programme clair pour la visibilité. La, la visibilité de nos actions et celle de', de, de, de depth, en fait et en même temps la visibilité des activités des de, de l'engagement de la diaspora en général je ne vais pas maintenant euh, être très long euh, donc le parcours euh, ainsi que euh, le programme vous pouvez le lire sur nos sites mais ce que je voudrais seulement vous dire euh, nous avons des idées le 23 s'il vous plaît Choisissez un conseil d'administration avec les membres que vous connaissez de qualité, en fait que le mandat qui commence soit un mandat où tout le monde qui a voté soit fier d'avoir donné sa voix. Merci beaucoup et je compte sur vous.